matériel dont vous allez avoir besoin pour assembler un modèle en résine est sensiblement le même que pour une maquette en plastique. Tout d'abord, il vous faut un scalpel, une petite pince coupante, différentes tailles de scie, de longueur et de grosseur de dents différentes, une scie principale, une scie moyenne, ici il s'agit d'un outil trompé-tire, une série de micro-scies. En règle générale, ces outils sont fournis sous forme de photodécoupe et vous disposez de différentes formes et différents gabarits de micro-scies. Pour le ponçage des pièces, vous aurez besoin de différentes limes diamantées. Une fois encore, il existe différentes tailles et différents gabarits de limes, soit plates, soit rondes, soit à section carrée. Disposer de plusieurs gabarits vous permettra d'accéder aux endroits les plus difficiles. Vous aurez aussi besoin de papier à poncer imperméable, de grammage allant de 400 à 1000, ainsi que d'une cale disposant de chaque côté d'un grain de ponçage différent, et d'une éponge à poncer. Encore une fois, il existe différents grains, fins, super fins ou ultra fins. Pour le collage, nous aurons besoin de cyanoacrylate, c'est-à-dire de superglue, proposé suivant les marques en différentes viscosités, gel, liquide ou extra-fluide. Cette dernière formulation vous permettra d'atteindre les endroits les moins accessibles. Voici l'ensemble du matériel nécessaire à l'assemblage d'une maquette en résine.